Dis-moi, mon bé, ou demain, je vais aller faire un tour en vélo, moi. Je vais profiter pour une fois, je vais me faire le. Tu sais, le Mont Chauve. Donc, on le fera pas au même rythme, mais si tu veux essayer de me suivre ou de m'accompagner, ou même peut-être que tu me passeras devant si tu fais plus de vélo que moi en ce moment. Si tu veux, on peut partir ensemble, et après, s'il y en a un qui se sent chaud, il quitte l'autre. Et le but, c'est d'arriver au sommet et de redescendre après. Voilà. Je vais faire ça le matin vers 10 h. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Et dire que j'ai fait tout ça à vélo, ah là là, ça me donne un vertige rien que de voir ça. Regardez les Alpes enneigées, c'est pas trop beau ça? Et nous voici en exclusivité intercontinentale galactique. Je monte les marches et je suis tout en haut du Mont Chauve parce que j'ai fait évidemment le vélo. Alors là, nous sommes tout en haut. Nous allons voir la vue que nous avons. Oh, ces jolies Alpes maritimes. Alpes maritimes. Alpes. Maritime. Alpes. Maritime. Alpes. Bon. Alors, nous voici la belle ville de Nissalabelle. Voilà, nous avons la colline du château. On voit la pointe. La baie des anges. Les anges par rapport aux requins. Le deuxième aéroport de France. Juste là-bas, au fond. Et là, nous avons Cannes. Non, Antibes. Antibes qui signifie Antipolis, la ville face par rapport à Nice. Et là, au fond, ben, c'est peut-être Cannes cette fois avec les îles de Lérins, Fréjus, je pense. Et ici, regardez-moi ça, la belle frontière naturelle du Var, la plaine du Var avec le comté de Nice. Derrière, c'était la France. Et là, messieurs, dames, nous avons le comté de Nice qui est l'extrémité, évidemment. Ce qui compte, c'est derrière, tout là. Là aussi, c'était le comté de Nice avec le Piémont. Ah là là, le Piémont, regardez-moi ça, les Alpes enneigées, l'Italie, pasta basta derrière. Tiens, en parlant d'Italie, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Ponte? On va aller le voir, tiens. On va aller l'embêter un petit peu. Regardez-moi ce béou, il arrête au pas. Je vais l'inscrire à Koh-Lanta, ça c'est certain. Bon allez, j'accroche ma GoPro et on y va. Je réponds plus de rien. Enfin, surtout de mes freins. On voit la plaine du Var. Ça c'est Antibes. On voit pas Cannes, hein? Un petit peu. Non. On voit l'île de Cannes C'est là-bas. quoi? C'est Fréjus les bosses là-bas? Ouais. Non, enfin. Là-bas, c'est les Adrets de l'Estérel. La colline que derrière Fréjus, on ne le voit pas, mais. Et ça c'est quoi là? On sait pas ça. Hein, Hein? les montagnes enneigées là. Ça c'est quoi t'as dit? Les montagnes enneigées c'est quoi tu sais? Là-bas il y a le plateau de Cossol, là il y a le pic des Courmettes, là-bas il y a la station de ski de Gréolière derrière en blanc. Ah ouais? Ouais. Excellent. Là il y a le baou de Saint-Janet là-bas. Et ça le bas où tu l'as fait là? Non. Hein. Bonjour. Bon c'est pas que mais générique. What I gotta do to get through to you? I could never lose you. Maybe spend the night out on the town like we used to. We could sit around and watch funny shit on YouTube. I know at times I can have a couple screws loose. I'm trying to connect to your body, girl, like it's Bluetooth. You know what I mean? You know what I need? We play games of love to avoid the depression. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Every
Chevy, you know the bitch is going crazy. Number one song in the world, so now she wanna date me. Where I'm from, people like me don't make it in the mainstream. What's with the attitude, baby? Tell me why you hating. We fuss and fight, you get in the moods. Argue all night, what we supposed to do? Can't make things right, so I'm on the move. Estoy cansado de tu bipolaridad, yeah, yeah, yeah. Deja ya de estar peleando sin una necesidad. Valórame, bebé, yeah. Que con ese humor nadie te aguantará. Quien te entiende así conmigo no te falta nada. Cogerá suave más porque esta bomba explotará. Si te saco el genio no vuelvo a frustrar tu lámpara. Y listo, te dejé en visto, pero fue porque estaba grabando.